Dans le cadre des activités de l'ONG Les Amis de Thérèse Ory, conduites par sa présidente, Mme Ory Thérèse, en partenariat avec des présidents de conseils régionaux, des ONG et de mutuelles de développement comme celle de Cinématiali, conduite de main de maître par M. Arsène Koulibaly, Mme Thérèse Ory a fait venir du 5 au 26 mars 2017 quatre pompiers issus du DASU de 62 du Pas-de-Calais en France pour former des personnes issues de toutes les couches sociales et des pompiers civils des régions de la Maraoué, du Poro et de l'Indonésie-Gablin en secourisme et protection civile. Le centre culturel de Cinématiali a servi de cadre pour deux jours de formation en secourisme. Madame Ory Thérèse est descendue de toute urgence sur Abidjan pour des problèmes de santé. La tâche est revenue à confier son collaborateur de conduire l'équipe des moniteurs qui, à leur arrivée à Cinématiali, est allé visiter l'Institut de formation et d'éducation féminine de la ville, un joyau offert par MAP, les amis de Thérèse Ory et la MUDAS de Cinématiali. Les institutions de formation et d'éducation féminine, il faut le rappeler, sont des structures parascolaires où les offres alternatives d'éducation sont proposées pour assurer à la population féminine analphabète ou déscolarisée une formation et un encadrement spécifique susceptible de faire d'elles de véritables agents de développement. Elles sont les premières structures d'éducation et de formation féminine non formelles dont la Côte d'Ivoire s'est dotée, et cela dès l'année 1958, pour faire face à la problématique de la sous-scolarisation des filles. La mutuelle Woman Woki de Cinématiali constitue depuis une décennie un des aspects les plus visibles de sociabilité, de participation à la vie politique et au processus de transformation de la société rurale suite au processus de son urbanisation et de sa modernisation. La mutuelle de développement de Cinématiali est un appareil idéologique représenté par ses dirigeants. C'est cette mutuelle qui fabrique, formule et diffuse les représentations et véhicule ce que pensent les gens ainsi que leurs sentiments. Ainsi, l'attachement des originaires au lieu d'origine et l'idéologie de la supériorité de leur village sur les villages voisins est perçu comme quelque chose de légitime. La propagande des cadres qui vise à moderniser le village et à stimuler l'activité suppose que la reconnaissance de leurs compétences exclusives et une position dominante leur soit reconnue et acceptée par les villageois et par l'État. Les mutuelles de développement se positionnent en interface entre les fractions urbaines et rurales, gérant en partie les tensions liées aux enjeux de pouvoir dans l'espace villageois, dans les relations avec les villages voisins, en leur sein même et dans leur rapport avec l'État. La délégation des pompiers conduite par votre serviteur a été reçue en audience par le corps préfectoral avec à la tête M. le préfet du département de Cinématiali. Ici, le colonel médecin donne des explications au corps préfectoral de la formation du secourisme et le bien fondé d'une telle formation à Cinématiali. Set up.
il est revenu au colonel médecin René Durieux de faire l'introduction de la cérémonie d'ouverture des deux jours de formation sur le secourisme et présenter les moniteurs. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons passer la journée ensemble. Ça va être une journée très 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 dense. Désolé, mais vous verrez, c'est très instructif, c'est pratique. On va vous faire travailler, on va travailler avec vous. Et puis en fait, à la fin de la journée, ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez capable de faire face à une détresse vitale, c'est-à-dire à quelqu'un qui est inconscient, quelqu'un qui ne respire pas, ou quelqu'un dont le cœur ne bat pas, ou quelqu'un qui a une fracture ou un malaise grave. Ben, vous allez voir, tout ça, ça va s'enchaîner de façon tout à fait naturelle grâce aux compétences de l'équipe que je vais vous présenter. La sergente Hélène, ensuite le capitaine Bruno, surnommé Capi 22, et le sergent Olivier. Voilà, les trois formateurs, et puis moi je verrai plutôt le côté médical avec vous, puisque je suis médecin. Et puis vous allez voir que ça va se passer très vite, et en fin d'après-midi, vous allez dire, quoi, c'est déjà fini? Eh oui. Et puis ensuite, vous verrez, on vous en reparlera, bien entendu, c'est comme le permis de conduire, si on ne pratique pas, on perd tout. Et donc, il va falloir que vous continuiez ensuite à vous entraîner entre vous, etc. Puis bien sûr, à faire face aux situations d'urgence. Voilà, je vous remercie. À la suite du médecin colonel, le préfet du département de Sinimatalé va ouvrir la séance de formation sur des conseils aux apprenants. Chers amis, promesse est tenue. Voici l'équipe. On va vous demander d'être vraiment attentif pour que demain, quand l'amiral va apprendre que vous faites des prouesses pour sauver des vies, ce sera une bonne chose. C'est pourquoi, au nom du corps préfectoral, je déclare ouvert cette formation pratique qui est une aide majeure pour le département de Sinimatalé. Je vous remercie. L'objectif de la mutuelle Women Wogi est de mettre en place des personnes qualifiées mettant à disposition leurs connaissances et leurs savoir-faire pour leur proposer une formation aux gestes qui sauvent, mais également pour assurer le dispositif prévisionnel de secours sur les manifestations sportives, culturelles et dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main, clignez des yeux. Il ne répond pas, il ne lève pas. Je dégrafe le pantalon, le col, cravate. Je regarde vite fait dans la bouche s'il y a quelque chose. Et je me mets comme ceci. On va décomposer après. Regardez bien comment il met la main, comment il la place, les gestes. Laisse-toi faire. Quand vous êtes victime, vous jouez le jeu. Hein? Voilà. Donc, là, je suis arrivé avec une victime qui est inconsciente. La première chose que j'ai faite, quand j'arrive déjà, c'est... Je parle fort pour être sûr que la victime puisse m'entendre. Donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Clignez des yeux, serrez-moi les mains. Question simple, ordre simple. Il ne répond pas, il est donc inconscient. Je dégrafe le pantalon, le col et la cravate. De manière à déjà... pouvoir mieux respirer. Hein. Le fait de dégrafer le pantalon, c'est déjà la première phase pour aider la personne à mieux respirer. Ensuite, je me suis positionné au niveau de sa tête et j'ai regardé vite fait s'il n'y avait pas quelque chose dans la bouche, un chewing-gum, un dentier chez les personnes âgées, etc. Et je suis venu contrôler sa respiration, voir comment il respire, avec trois moyens. Le premier, c'est avec les yeux. Je me mets comme ceci et avec les yeux, je regarde si son ventre, il bouge bien. Voilà. Le deuxième, avec l'oreille. J'écoute.
Est-ce qu'il y a des bruits, ronflements, sifflements, gargouillements, etc. Et le troisième, c'est avec la joue. Je perçois le souffle. Donc je me mets à côté, comme si je voulais qu'il me fasse un petit bisou. Voilà. Et là, j'observe par les trois moyens. Avec les yeux, je regarde. Avec la joue, je perçois le souffle. Et l'oreille, j'écoute. Il est inconscient, mais il respire. Inconscient qui respire. Le risque d'une personne qui est inconsciente, si elle est sur le dos, si elle vomit, elle meurt. Le fait de vomir sur le dos, elle va se noyer avec son vomi. Donc elle meurt. Pour éviter ça, si je la mets sur le côté, si elle avait besoin de vomir ou autre, tout ce qui est salive, écoulement, va sortir naturellement. Donc le risque d'une personne qui est inconsciente, qui respire, il ne faut pas qu'elle reste sur le dos, il faut la mettre sur le côté. Pour la mettre sur le côté, je prends une première main que je mets en position de coucou. La main côté retournement. La main de l'autre côté, je viens la prendre et je la place contre sa joue. De manière à ce qu'il vienne après, dessus, pour faire dodo. Je place ma main contre la sienne. Je prends son genou, que je soulève. Et à partir de là, c'est ni plus ni moins qu'une question de levier. Voilà. Il suffit délicatement et la victime est tombée toute seule. Là, je vérifie et je rouvre sa bouche, de manière à ce que les écoulements puissent sortir. Et je prends sa jambe, que je place de manière à ce que la victime soit stable et ne puisse pas retourner sur le dos. Je couvre ma victime, toujours, même s'il fait très chaud. Hein. Une victime qui est inconsciente, etc., peut perdre de la température très rapidement. Donc pour la protéger, on la couvre. Et j'appelle les pompiers. Merci beaucoup. Pour cela, chaque jour et pendant 2 jours, les personnes sélectionnées vont offrir un peu de leur temps dans un groupe et dans des diverses séances qui leur sont confiées. Tout cela dans un esprit de fraternité et de convivialité. Le travail. Ensuite, on vient basculer la tête en arrière, on ouvre la bouche, on regarde s'il n'y a rien dedans. Ça, tu l'as oublié. Et après, tu viens écouter. Tu perçois quelque chose, il sait tout. Non, de l'autre côté. Parce que sinon, tu ne peux pas voir le ventre si tu te mets là. Donc, on écoute doucement parce que peut-être on ne sait pas ce qu'elle a eu, la victime. Peut-être elle est tombée du toit là. On ne sait pas. Donc on essaye de prendre le maximum de précautions. Doucement, doucement. Pour ne pas aggraver le cas de la victime. Là, tu peux tirer sur le pantalon, ça vient tout seul. Voilà. Et non, recule-toi d'abord, parce que tu vas le tourner, il va venir sur toi. Voilà. Voilà, là, elle est bien, c'est bien. Ok, et sa jambe, par contre. Important pour bien le caler, sa jambe. Et puis, j'appelle maintenant les pompiers. Voilà. Ok. Et on vérifie s'il respire toujours. Ok. Être sûr, vraiment, hein, de le voir respirer au moins 2-3 fois. Hein. Parce que s'il ne respire pas, dans ces cas-là, on va voir ça après. Ok, et là, je le mets en PLS. Non, cette main-là, elle reste là. Voilà. Uniquement avec celle-là, tu vas voir. Vas-y, tu vois ? Pas besoin de plus, juste avec une main j'arrive à le retourner sur le dos. Voilà, ça permet d'avoir une position stable. Et là, j'ouvre bien la bouche de manière à faciliter les écoulements, salive, vomissement, etc. Je couvre ma victime et j'appelle les pompiers. Il me demande bonjour monsieur, vous m'attendez ? Apportez-moi la victime. Ah, genou. Ah, genou. Ouais, c'est mieux. Accrochez bien vers le bas. Ok. Allez, 30 secondes. Allez, vous entendez la vue ? Super. La victime respire. Elle respire, très bien. Donc elle est inconsciente, qui respire. Ok, donc maintenant on va la mettre rapidement en position latérale sécrétée. Voilà, le bras doucement. Voilà. Si vous vous retrouvez dans une voiture comme ça,
Ok, allez, vas-y. Tu mets ta main, voilà. Maintenant, tu lèves sa jambe. Allez, on pivote. Tu recules, voilà. Appuie, appuie encore, en bas, voilà, c'est bien. Fait pour surveiller le temps que les pompiers arrivent. Regarde si le ventre est bon. Ensuite, on fait levier. La main, voilà. Non, recule-toi avant. Il faut bien se pousser avant parce que sinon... Tout le monde est passé? Oui, tout le monde. Oui. Tout le monde est passé une phase de gauche, une phase de terre? Oui. C'est bon? C'est ça. Cette formation initiée en collaboration avec le détachement d'aide au secours d'urgence département 62 concerne une quarantaine de personnes qui recevront les rudiments en matière de secourisme pour faire face aux nombreux sinistres sévissant dans le département. On s'aperçoit qu'elle ne respire plus. Donc à votre avis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider la victime? Non, pas toi. Oui? On va essayer de ventiler. Comment? Voilà, la personne ne respire plus, elle a donc besoin d'air, donc je vais lui en apporter. Donc je vais d'abord faire et puis après on détaillera comme tout à l'heure. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains, clignez des yeux. Donc j'ai vérifié si ma victime était consciente. Comme tout à l'heure, je regarde si elle a quelque chose dans la bouche, un corps étranger ou autre. Je lui dégrave col, cravate, ceinture. Et ensuite, je vérifie si elle respire. Elle ne respire pas. Tout de suite, je lui fais deux insufflations. Je bascule bien la tête en arrière pour faciliter le passage de l'air. Je lui bouche le nez, parce que si je ne le bouche pas, parce que je vais souffler dans la bouche, ça va repasser par le nez sans aller dans les poumons, donc ça ne sert à rien. Et surtout aussi, j'englobe toute la bouche. Pareil, si j'englobe que là, et ben, ça va passer sur les côtés. Et ensuite, au bout de mes deux insufflations, je garde ma main, vous voyez, ici, en position, et je vérifie le pouls. Il y a un pouls, ok, le cœur bat. Par contre, ma victime ne respire toujours pas. Je continue de lui donner de l'air 30 fois. Et je me redresse bien à chaque fois. Vous voyez, je reprends l'air parce que si je reste au-dessus, je vais récupérer l'air qu'elle me donne. Au bout d'un moment, ça ne va plus aller pour moi. Donc, je me redresse, pas 3 heures non plus, hein, parce que la victime, elle a vraiment besoin d'air. Et je continue. Et ça 30 fois ou 2 minutes. Au bout de 30 fois ou 2 minutes, je vérifie mon pouls. Parce que peut-être que l'état s'est aggravé et qu'il n'y a plus de pouls. Et ça, on verra la suite tout à l'heure. Ok? C'est compris? Des questions? 2 minutes. Voilà. Lorsque une personne normale, adulte, respire, en fin de compte, on respire à une fréquence d'environ 15 fois par minute, soit une toutes les 4 secondes. Ce qui veut dire que c'est 1, 2, je souffle, 3, 4, je reprends, 1, 2, je souffle, 3, 4, je reprends. Les rythmes sont différents en fonction de l'âge. Un enfant va respirer un petit peu plus vite. On va, pour simplifier, on dira qu'un enfant respire environ 20 fois. Un bébé, lui, va respirer encore plus vite. Ce sera environ 30 fois par minute. Voilà. Donc, le fait d'avoir nos 2 minutes, ça correspond à 30 insufflations. Hein?
Et vous verrez que ce soit là, maintenant, dans le bouche à bouche, ou tout à l'heure, quand on fera le massage cardiaque associé au bouche à bouche, on fait un contrôle de la victime toutes les 2 minutes. Que ce soit maintenant ou que ce soit tout à l'heure. Selon le chef des formateurs, le médecin colonel René Durier, la formation porte sur la conscience ou le coma, la respiration, la circulation sanguine, l'hémorragie interne et externe et sur la traumatologie. Pendant 2 jours, la formation sera ponctuée de pauses café et de déjeuner, ce qui va permettre aux apprenants et aux formateurs d'éviter les déplacements. Bien le nez. Voilà. Et il y a encore des fuites. Ah. 2 fois. Au bout des 2 fois, hein, 2 insufflations efficaces, je prends le pouls. C'est-à-dire, je vais contrôler, voir si le cœur y bat. D'accord. Toujours de ton côté à toi, pour ne te complique pas la vie. Hein. Voilà. Ah. Ici. Vous avez envie d'aider. Vous êtes tenté par le secourisme et vous vous demandez en quoi consiste l'engagement d'être secouriste. En général, la première étape est de suivre une formation de base au premier secours. Il est possible de s'engager directement dans un cursus de formation d'équipier secouriste sans avoir au préalable suivi une formation généraliste, mais le fait de commencer par une simple initiation d'1 heure ou une formation destinée au grand public permet d'avoir un premier aperçu du monde des premiers secours. Les premiers secours représentent l'ensemble des techniques d'aide apportées aux personnes victimes d'un accident, d'une catastrophe, d'un problème de santé ou d'un problème social compromettant à un court terme leur état de santé. Ces techniques permettent d'apporter des réponses efficaces devant un danger vital et ont comme objectif d'en minimiser les conséquences tout en assurant la survie des personnes en leur prodiguant les premiers soins d'urgence. Les premiers secours sont le maillon initial en amont de la chaîne de secours jusqu'à la prise en charge par des services d'urgence spécialisés. J'incline légèrement la tête et je mets mes 4 doigts par ici pour pouvoir lever le menton et j'ouvre la bouche légèrement. Le nez. Qui bouche le nez. Voilà.